pouvez-vous nommer The Les Catcheurs, parce que c'est Selougenot, c'est un Français qui l'a créé, qui n'ont jamais perdu leur titre. Grosso merdo, grosso merdo, on est parti pour savoir qui a rendu son titre vacant. Qui a eu une opération vacant? À qui vacant a-t-il pris le titre? Les catcheurs qui ont dû rendre leur titre vacant sans l'avoir perdu. Il y a 54 noms à trouver. Je pense que c'est un bon sporkle. Il peut être pas mal celui-là. En fait, là, gros palmarès pour vacant. Vacant, immense palmarès. Sur les 54, on a 10 minutes. C'est peut-être un peu long. Je pense que je peux aller chercher un 40. Je suis pas sûr de tout parce qu'il y a quand même des trucs assez vieux. Il y a des trucs assez anciens. Et il va pas y avoir beaucoup de noms qui vont remplir beaucoup de cases. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, si vous voulez faire un petit score prédit, etc., j'irai à 40. J'irai à 40. 40. Peut-être croire en moi. Je sais pas si on aurait de la modération qui est dans les parages. On est parti. On est parti. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que c'est prêt sur le chat? C'est prêt, c'est prêt, c'est prêt. Des prémonitions d'un succès, nous disent Turi, pré-colombien et prémédité. On est parti sur ce. C'est parti. Bon, un évident pour moi dès le départ, c'est Edge. Bien sûr. Ah bah Edge, il apparaît trois fois. Les Hardy, ils ont dû rendre le titre vacant en 2019, titre par équipe. Sagé. Batista. André, André, c'est le premier nom. Ah non, 88, WWE Champions, 88. Non, c'est DiBiase. Putain, non. Hogan. Hogan, il rend le titre vacant. Putain, Hulk Hogan en 91. Savage. Pourquoi ils mettent WWE Champions? Ah ouais, André the Giant, pardon. C'était ma première intuition était la bonne. L'Ultimate Warrior. Il est obligé parce qu'il a les deux titres, donc il doit rendre l'autre vacant. 94. Championnats par équipe sont rendus vacants. Merde, j'ai mis Bret Hart, mais je pensais pas à Bret Hart à ce moment-là. Les championnats par équipe sont rendus vacants par... Bah, Billy Gunn, Bart Gunn, c'est d'autres raisons, c'est 96. 94, les Steiner. Owen Hart. Non. Qui est champion par équipe en 94? Jacques. Jacques et Pierre. Non, pas Jacques et Pierre. Oh, bonne question. Hardcore Holly. Non. Bon, bref, j'oublie, je passe sur 94. 95. Championnat intercontinental et championnat féminin. Donc, Alundra Blaze, parce qu'elle le jette à la poubelle. Et Scott Hall. Non, pas Scott Hall. Michaels, qui apparaîtra plusieurs fois, bien entendu. Non. Championnat intercontinental, 95. Ahmed Johnson, il se blesse pas. Il y a Ahmed Johnson, mais c'est en 96. Attends, 95. Il rend le championnat intercontinental vacant. Et c'est pas Razor Ramon. Diesel. Non, Diesel, c'est les championnats par équipe en 94. Ok, Diesel et Michaels, ils rendent les championnats par équipe vacants. Mais 95, le championnat intercontinental est rendu vacant. Alors Goldust, non, 96. Putain, j'ai pas de bol parce que je mets les bons, mais pas aux bons endroits. 97, c'est pas grave, je suis là, j'ai un petit trou, je reviendrai plus tard. 97, j'ai un peu de temps, je me le fais un petit peu dans l'ordre, j'essaye. 97, les championnats par équipe sont rendus vacants par Michael, c'est Austin. Évidemment. Austin, il rend tout vacant cette année-là. Austin et Terry Funk. Et pas Terry Funk, si Chainsaw Charlie, c'est le championnat par équipe avec Mick Foley. Mick Foley qui va me remplir quelques cases, tant mieux. 98, le championnat intercontinental est rendu vacant par... Triple H, ça c'est bon. 99, rendu vacant, le championnat hardcore et le championnat européen. En 99. Rendu vacant en 99, championnat européen et championnat hardcore. Shane McMahon, est-ce qu'il le rend vacant? Oui, c'est bon, c'est lui. Champion hardcore, rendu vacant peut-être par le Big Boss Man. Pas du tout. Par... Mais après, il change de main tellement souvent. Dan Severn, il l'a été? Non, il l'a pas été. Al Snow. Rod Dog.
Le Road Dog, ça va, c'est le Road Dog. 2002, le championnat européen rendu vacant parce qu'il est unifié. Ah non, merde, William Regal, il rend vacant son titre par équipe, plus avec Lance Storm. Ok. 2002, le championnat européen est rendu vacant par Jeff Hardy. Pas du tout. Rendu vacant par Maven. Pas du tout. Il n'y a pas un Hardy dans le lot? Non, il n'y a pas d'Hardy. Mais vous m'avez pas dit de dire... Ah mais j'ai déjà rempli l'Hardy. 2002 par Rob Van Damme. Rob Van Damme, 2002. 2004, le championnat des États-Unis est rendu vacant par John Cena. Championnat des États-Unis en 2005, rendu vacant par Benoît Guerrero, Booker T. Et franchement, je me sens pas trop mal. 2010, parce qu'on a rempli des trous. 2010, alors c'est chiant parce que c'est louche, quand tu crées tes trucs, faut faire glisser là, parce que sinon je peux pas tout faire afficher. C'est pas très joli. 2010, le championnat des divas est rendu vacant. Et Jelly, Beth Phoenix, Candice, Michelle McCool, j'en sais rien, Mélina, ok, je m'en rappelle plus. Et les championnats par équipe en 2010 sont rendus vacants également. Alors la vache, qui est champion par équipe en 2010? J'en sais R. Je vais dire Kane. Big Show. Bah Big Show, il y a... Ah non, attends! Jericho. Et Edge? C'est pas Jericho et Edge? Attends, les championnats après en 2011, tout ça. Alors il y a Bryan. Oh putain, Daniel Bryan, il rend tout vacant, lui. 2013-2014, ça rend vacant chez Bryan. 2016, c'est Finn Balor qui rend le championnat universel vacant. 2017, SmackDown Women Championship rendu vacant. Par... Je sais pas, Naomi. Ouais. Championnat des États-Unis rendu vacant en 2017 par... C'est rien. Et 2020... Championnat intercontinental, il a été rendu vacant par qui? Nakamura, il l'a pas rendu vacant un coup? Rousseff? Faut toujours penser que ça peut être potentiellement des gens qui se blessent. Et championnat par équipe en 2018, rendu vacant également. Et le championnat universel, il a été rendu vacant aussi en 2018? Merde! Par qui? Si, 2020. Mais en fait, putain, ils mettent Sami Zayn, mais j'aurais pas mis Sami Zayn. Je l'aurais pas mis. Championnat par équipe en 2018 rendu. Alors là. Championnat en 2018, putain, mais j'ai dû le couvrir ça en plus. Non, pas le Revival. Attends, les Rousseau, Kingston. Je pense à tous ces cons qui ont été champions. J'en sais rien. 2018, championnat universel rendu. Oh, putain, quel con. Roman Reigns, la leucémie. Eh oui. Naomi et... Oh, Dolph Ziggler, putain, c'est vrai qu'il remporte le championnat et il fait cette annonce en disant, voilà, je me casse. On avait... Personne n'avait rien compris. 2011, le championnat aussi est rendu vacant par CM Punk. C'est dans la... Enfin, j'aurais pas mis non plus. Hein. Alors par contre, le championnat intercontinental de 95. Marc Mero. Farouk. Ah, peut-être Farouk. Pas du tout. 95, le championnat intercontinental. Il m'angoisse celui de 95. Jeff Jarrett? Oui, Jeff Jarrett. Ah, ça fait du bien. Alors là, je suis plus qu'à la fin. 2010, championnat par équipe.
Et les alors en fait, il me manque le champion intercontinental de 2014, les champions par équipe de 2010 et de 2018. J'aurais rien. J'aurais rien. 2018. Roman Reigns. Attends, attends. T'as WrestleMania 34. C'est bon. Braun Strowman et Nicolas. 2010. C'est l'année où il y a qui y a... Ah, il y a The... Attends, c'est pas une connerie, genre un Justin Gabriel. David Otunga, il l'avait perdu comment, leur titre ou Cena si... Barrett, tout ça, Barrett. Ah, Wade Barrett, champion intercontinental, ok. Putain, mais j'ai aussi WWE champion en 2015, qui est rendu vacant. Lesnar, il rend pas Seth Rollins. Ah putain, mais... Et on a fin du temps. Seth Rollins en 2015, comment j'oublie Seth Rollins? Et D.H. Smith et Tyson Kidd rendent le titre vacant également de champion par équipe en 2010. Ça par contre, j'en avais totalement oublié. Rollins, c'est un peu honteux de l'avoir oublié. Bon, ça va, 51 sur 54. Je mets une fanfare, mais... Pour le plaisir de mettre une fanfare. Il manque Becky Lynch, c'est vrai. Elle rend pas le titre vacant parce qu'elle le donne, en fait. Elle le donne. Voilà. Elle le donne. Master Kerblade, bravo, s'il a fait un 54 sur 54. 7, alors, 7 Rollins, hein, bien sûr, parce qu'on est en édition ch'ti ce soir. Édition ch'ti. 7 Rollins. Ok. Beau gosse quand même. Merci en tout cas pour lui, beau gosse quand même. Ça fait toujours plaisir. Money in the Bank était pour le titre en soi. C'est vrai. En quelque sorte. Ah, ils unifient les titres par équipe en 2010. D'accord. Elle le donne, mais elle le perd pas. Ok. Elle le donne, en fait. Ok. C'est pas si mal. J'étais assez fier de moi sur la première partie. La première partie, je me sentais plutôt pas trop mauvais. On a assez bien réfléchi, mine de rien. Quiz the stats. Tu vois, Seth Rollins qui était trouvé facilement, mais pas par moi. Par contre, moi, je trouve des Lance Storm, Damien Johnson, des Chainsaw Charlie, ça pue la classe, tu vois. Par rapport à la moyenne. Très bon Sporkle.